Je pense que les fonds que nous allons présenter, le fonds issu du fonds photographique de l'INA, on l'a très peu présenté, donc il va rappeler certainement des souvenirs à tous les fidèles de la fête de l'UMA. Le fonds cubain du Noticiero Latino-Americano, là c'est une découverte pour beaucoup, je pense que ce sera une découverte. Et puis bien sûr, nous aurons aussi un stand où nous pourrons présenter l'ensemble des productions de la maison, puisque l'INA est aussi un producteur audiovisuel et un éditeur important. Tous les ans, c'est une soixantaine de films, documentaires essentiellement, que nous produisons ou coproduisons, et donc on pourra retrouver aussi ces films qui sont pour beaucoup ont été édités par l'INA en DVD sur le stand de l'INA.